Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi tout est permis. Donc j'ai voulu faire une vidéo réaction au tube, à la tuerie Niska feat. Fjord de Björn, Njomi Ekley. Franchement une tuerie, ce son incroyable. J'ai l'impression qu'il nous a même fait oublier le corona, ce son terrible. Un duo incroyable. Franchement les deux, chapeau à vous, chapeau aux artistes et chapeau à Willy Dembo, tout ça c'est parti de lui. Et ça montre que ça va très vite avec Internet. Cette vidéo, elle a été partagée énormément. Et Niska, il a validé le concept. Il a donné de la force à Fjord de Björn. Et voilà, tuerie. Allez, je suis fatigué de parler. On s'enjaille un peu. Elle dépense pas tout son jet. On va faire une petite pause. Franchement, chapeau à Niska parce qu'il a fait un geste, une passe décisive incroyable. C'est comme s'il efface toute la défense, il efface le gardien et il la met en retrait. Il sert un caviar à Fjord de Björn qui a juste à finir l'action. Franchement, chapeau. Et ça montre que un artiste, lorsqu'il met la lumière sur un autre artiste, ben ça pète tout simplement. Parce que Fjord de Björn, c'est un artiste ivoirien, on entendra parler de lui dans les prochains temps, ça c'est sûr. Il a énormément de talent et voilà, grâce à Niska, ça a pété. Et maintenant, tout le monde mondial parle de Njomi Ekley, c'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Et ça fait plaisir, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Team 2-2-5, venez pointer, on va avancer ou bien. Non, j'aille trop. Ça ambiance trop. Les charreaux d'Abidjan, ils sont comme ça. Ce son-là, franchement, il est lourd. Il est lourd de chez lourd. Et je me dis franchement que c'est que ça va vite. Ça va vite. Le son, ils l'ont fait. Niska, j'ai l'impression que ça s'est fait tout naturellement. La connexion, tac-tac, ils ont balancé ça. Et puis voilà, là, on est à 5 millions de vues. Ça va dépasser les 10 millions de vues à l'aise. À l'aise. Donc franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vas-y, on remet. Je suis fatigué de parler. Je crois que les voisins ils sont en train de craquer là, mais bon, c'est pas grave, on continue. Et en tout cas, ça en Afrique, en fait, il y a énormément d'artistes talentueux. Et lorsqu'il y a un artiste qui a une forte renommée qui vient, qui donne la force, c'est beau et ça fait avancer le mouvement, ça fait avancer le mouvement. Je sais que j'ai vu une vidéo récemment de Esprit Noir qui parlait de rappeurs sénégalais et j'ai découvert des rappeurs sénégalais, mais c'est énorme ce qu'ils font, c'est lourd et voilà, ça fait des découvertes. Il y a énormément de talent, énormément de talent et c'est une avancée pour tout le monde, donc franchement c'est lourd et c'est à saluer. En Afrique francophone, en Afrique anglophone, partout, il y a énormément de talent. Juste lorsqu'il y a des artistes qui viennent donner la lumière. Eux, ils ont déjà cette reconnaissance dans leur pays, mais quand un artiste vient en plus, c'est tout bénef. Un.
Voilà, j'étais obligé de faire une vidéo sur ce son-là. C'était obligé. Et voilà, je pense que il a tellement pris que c'est une dinguerie. C'est complètement une dinguerie. Et voilà, venez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'était une vidéo impro, ça s'est fait comme ça. On est vendredi. Avant de sortir, je me suis dit, allez, je vais balancer. Et puis voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Paix sur vous. On est ensemble.